It's every time craziness to get to the start line, to get through the people. But it's even more craziness for us to get to the bottom of every climb. I think we all live in sort of a bubble around Belgium. And there are some connections to other spots in the world who can follow it. And sometimes we don't realize that outside that bubble there's also a normal life going on. But it looks like when you're here that time of the year that that other life is not existing anymore. Le classique du Nord, c'est des journées où tout le monde est à 200%, que ce soit les coureurs et tous les spectateurs. Mais ces courses-là, ça joue dans les petits détails. C'est grâce à tout le staff technique et les marques qui nous mettent à disposition des vélos d'excellence. Les classiques du Nord, c'est un passage important pour moi et pour toute l'équipe Vital Concept aussi, parce que c'est des courses très difficiles où il y a beaucoup de bagarres et c'est ouais, vraiment des courses d'hommes où il faut se battre jusqu'au bout. Depuis le Het Nieuwsblad, j'ai décidé de choisir et d'utiliser le Orca Wemar, qui me semble déjà plus léger. Il est plus léger, beaucoup plus de souplesse pour mieux ressentir le pavé. C'est quelque chose, lorsque on est sur un pavé, on est vraiment beaucoup secoué, ça tape beaucoup. Et avec ce Orca-là, je suis vraiment plus à l'aise. J'arrive à trouver plus de motricité dans les monts pavés. Et ce qui me permet d'être aussi cette souplesse qui permet d'être moins fatigué dans le final d'une course, d'une classique. C'est des courses très longues. Le Tour des Flandres, on l'a reconnu hier, c'est 267 km, sans le fictif. C'est des courses où ça joue vraiment dans le final, dans le Vieux-Coiremont, dans le Patersberg. Toute cette énergie qu'on a pu gagner grâce à la souplesse de ce Orca-là, on peut donner le maximum dans les deux derniers mots. It's one of the best bike we can find for that kind of race. It's why also we do a lot of recon like this, because we really want to put all we have in the same direction, and I really hope that it would work. The preparation towards a race like this is key to success, so we're doing everything in advance to make the material ready and also the rider. Ouais, je pense que c'est très important d'être ici en amont des compétitions importantes comme le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, parce que on est là pour tester le matériel et trouver les bons réglages, je dirais, sur les vélos, sur la pression des boyaux, ou le choix de la section des boyaux, de tout ce qui est autour du vélo, pour que le jour J on soit dans les meilleures conditions et prêt à affronter les compétitions au mieux. It's to feel how the bike reacts, how low you can go in tire pressure, how brakes are going. And those things, when you have a car around you, it's just the easiest way to do it. You do a long ride, you have support, you stop after 2 hours to change things, you feel how it's different. It's of course a feeling, but stiff after corners, so it must be stiff, because after corners it accelerates well. But it's all also permitting me to, when I'm taking corners on cobbles, to do whatever I want, and not to be that stiff that it wants to go straight while I'm already starting a corner. And that's not given by any bike. Le vélo, il répond tout de suite, et ça c'est vraiment top pour un coureur professionnel comme nous. Je pense que chaque détail compte, donc le vélo en fait partie, et c'est super important d'avoir un vélo qui répond à nos attentes. Il est très rigide et on le sent tout de suite quand on accélère ou quand on se met en danseuse. Il n'y a pas de point mort, je dirais, et pas de ressenti mauvais sur la puissance. J'ai regardé hier un peu quand on a monté le Koppenberg. On a joué un petit peu avec les collègues.
Je crois que j'ai fait 700 watts, je crois, sur une minute, il me semble. Donc je pense que voilà, le vélo il répond bien à la puissance. It's not only about the speed, it's also about the hours we sit in the saddle. And as a pro cyclist, sometimes you sit 6-7 hours in the saddle per day, and then it needs to be comfortable as well. It's not only stiffness, so that's really impressive about the Orca. It has those both aspects that come together, and for me it works perfectly. Everybody wants to be good at that races. It's because of the roads. They are really narrow, and it's why we need to be focused on every moment. So in Spain you have the best fans for the climbing races, and in Belgium you have the best fans for the classics. And with the riders it's the same. They're just eager to get started and to bring this big race to the people. And in the end it's a fight. Sometimes it ends good, sometimes it ends badly and you crash. But every rider at the start has the hope to win the race, and I think this makes it even more special. When you have a climbing race, you know from the start there are 10 people, they're strong enough to win the race, but in a classic everything can happen. So most of the riders at the start line, they wish to have their dream day and go as far as possible, and so it's unpredictable and it can be a sweet surprise in the end.